Oh là, on a, il court sur place. J'essaie encore d'intégrer le GCPD. Est-ce que t'as réussi le test? J'ai cartonné, mais on m'a dit que j'étais trop malin pour être flic. Trop bonne? Eh ouais. GCPD va promettre tout son flic sur un intellectuel qui finira par démissionner juste parce qu'il s'enfuit. Ah, trop bizarre ce bug. Le mec, il courait sur le mur au calme. Il avait aucune pression. Sa vie était pourrie. Tu n'as rien vu, rien entendu. D'ailleurs, en parlant de Kraken, il y a Pirates des Caraïbes 2 sur Netflix. Alors, on prend le risque. Je suis trop balèze. C'est vrai, Anguille. Je suis un kraken, ma gueule. Lui là, dès qu'il passe avec ses petits pics, comment je le démonte? Allez, viens. Oh merde. Allez, viens. Hop là. Merde putain. On sent le level hein, les mecs hein. Vous sentez un peu ce niveau, vous sentez un peu la PGMitude. Il est où le dernier? Merde, je vois pas. Allez là-bas. Près du crâne de la mort. Sa vie elle est pourrie à lui aussi quoi. Ça devrait le faire. Ah. Alors, on a kiffé le Kraken un peu. D'accord, frère, pour 2 cm, ils vont casser les couilles, quoi. Vous devez faire gaffe. Les hommes du Joker ont parlé d'un piège pour vous et Robin. Il veut vous tuer pour faire une espèce de cadeau de Saint-Valentin à Batman. Une cadeau de Saint-Valentin à Batman, quoi. Ah bon, il y a un Pirates des Caraïbes 5 qui est en tournage? Non, c'est faux. Bah, j'espère qu'ils feront mieux que le dernier qui est sorti en date, là. Franchement, il pourrait faire des graphismes entre guillemets pourris à Batman. On passe tellement notre vie en mode détective pour repérer les trucs et il pourrait y avoir des textures un peu moches, on les verrait même pas quoi. Parce que le jeu il est beau comme ça quoi. Putain, l'enculé! Ça va bien? Ouais. Qu'est-ce que c'était? Une mauvaise blague. C'est une habitude chez le Joker. Celle-là, ce sera la dernière.
fils de putain, quoi. Le Joker, il m'avait déjà cassé les couilles en faisant ça dans les bâtiments et tout, et... Oh, shit, quoi. Oh, merde. C'est pas grave, les mecs. On est chaud. On est des hommes. Notre moustache frissonne. On est des hommes. La 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 la. Taille. Batgirl, je les ai. Je t'ai envoyé mes coordonnées. Il m'avait fait pareil dans Batman Arkham City là, avec le dinosaure là qui bougeait tout seul. Il m'avait fait sursauter. Oh putain. Je me suis presque fait pipi dessus. Non. C'était pas si flippant que ça. Ah, yeah. Ah. Alors, prendre l'élan. Oh putain, mais elle est rapide la Batgirl, elle est chaud. Jaune pour la Saint-Valentin cette année. C'est pas moi, adieu. Bon les mecs, on s'est passé une rambarde. On est déçus. Robin a trouvé le Joker. Il y a de bonnes chances. Alors, non mais ton cri, pas le truc. Oh là là, c'est ma faute maintenant. Mais assumez que le truc qui vous a fait peur aussi. Oh là là, c'est pas mon cri. C'est le truc qui vous a fait peur avant mon cri. Fait tout sauter le mec. Qu'est-ce que c'était? Ça venait du grand chapiteau. Dépêche-toi, Barbara. Droite. Ah. Franchement, Tibulle, tu m'aurais vu sur Alien Isolation si un soir vraiment t'as rien à faire. Franchement, tu vas voir, il y a les VOD en. Il y a les VOD en bas. Tu regardes, tu scrolls un peu, t'as les Alien Isolation. Tu vas kiffer quoi. Mais putain ton grappin sale pute! Robin a localisé le Joker. La comédie a assez duré. Ah bah oui, bah oui, bah oui, putain, heureusement qu'il y a un gars dans le chat qui est intelligent, hein. Pas comme vous. Bah en fait ça servait à rien, t'as tiré une merde là, t'es con. Ah non, t'es intelligent. Mais... Ah, Nvidia sur 20. Tu dois rejoindre Robin. Par là, par là, par là, par là.
Meurs, meurs, meurs. Est-ce que je peux utiliser la tyrolienne de là? Oh là là, mais votre cerveau sur 20, les gens. Y'en a, il me dit quoi? Double tyrolienne, mais pas toi, mec. Oh putain. Vous êtes nuls, écoutez, arrêtez dans le chat. Ah, putain, il m'a fait peur, lui. Comment t'es arrivé là? Je me suis débrouillé. Ouais, non, c'est le Joker qui est derrière le masque. Bienvenue à tous au grand spectacle du Joker. Oh, la reine Queen est sauvée costume. La mort spectaculaire des rabat-joie masqués. Entrez, posez vos fesses et profitez. Oh là, on va se battre contre le Joker. Éloigne-toi de mes... Robin a trouvé le Joker. Il y a de bonnes chances qu'il ait mon père. Robin, par ici! Finis-le! Je l'ai fait rentrer dans le sol, vous avez vu? Robin, à toi! Tenez bon, on peut y arriver! Qu'est-ce que tu fais de ça? Mais casse-couille! Robin a localisé le Joker. La comédie a assez duré. D'accord, ça vient à l'infini. Faut juste que je tape à ce Joker. Tu t'en tireras pas, Joker. Moi j'ai tapé les AD comme un abruti. Tu retournes à Arkham, Joker. Petit prodige, par là. Non. Cette boule, bon si t'as un season pass il est gratuit, mais bon le season pass c'est à 40 balles. Ah putain, il m'a fait peur. Hé hey, clown triste, fais pas ce... Excellent. Oh putain, j'ai envie de prendre un screenshot et de le mettre en wallpaper quoi. Il était excellent quoi. J'ai presque envie de remourir pour prendre un screen quoi. Oh putain, les dégâts qu'elle pose. Et le Joker. Casse les couilles là! Ah, mais elle va me retuer! Assomme-le! C'est fini, Joker! Mais la femme Harley. Ah
Et lui, faut qu'il s'arrête là en premier, quoi. Tu t'en tireras pas, Joker. Il est pour toi. T'es morte! Putain, en fait, faut focus Harley. Faut focus Harley Quinn. Attention, préparez-vous à screen! On a souvent tendance à oublier qu'on a tous un petit Joker au fond de soi. Allons, petite, libère le Joker qui est en toi. Oh, dommage, y a pas sa tête épique. Elle était épique! Son sourire, le profil, tout. Aujourd'hui, vous allez voler de vos propres ailes. Bon, focus Harley, les mecs. Putain, grosse pute! Petit prodige, par là! Putain, mais Harley! MDR. Ça bugue l'animation. Hop, on l'élimine. Ce sera ton tour à toi. Je croyais que tu portais bonne mère. Il a échoué, non? Bad girl! On s'occupera de lui plus tard. Il a blessé mon père. Appelez renfort aérien et garde-côte. Toutes les unités sur le Joker. Ton père est sauvé. C'est tout ce qui compte. Ça va, vous deux? Ça va, commissaire. Vous avez sauvé de nombreuses vies ce soir, dont la mienne. Merci. Y a pas de quoi. Vous êtes sûr que ça va, Batgirl? C'est pas terminé! On vous aura! Sortez-la d'ici! Il faut croire que cette famille... Vous
Rendez les sous si c'est fini comme ça. Rendez les sous. Rendez-moi mes sous. J'ai payé 40 balles pour le season pass. J'espère qu'il n'y aura pas que ça. Enfin, alors, ouais, 6 mois de contenu additionnel, mais j'espère que ce sera sérieux, mais ça se limitera pas à une Batmobile et 2-3 conneries comme ça, sinon je suis déçu. Je peux me balader, c'est cool, ouais. Draperie. Ils vont faire quoi? Trouver toutes les dents de Joker et toutes les boîtes de Harley Quinn pour déverrouiller la vraie fin de ce jeu. Fin de ce DLC trop. Bah, s'il est à 7€, l'achetez pas. C'est ça la balade? Une mini-map nulle. On peut même pas se balader dans Gotham. Ils ont même pas fait en sorte qu'on puisse se balader dans Gotham avec Batgirl pour, je sais pas, trouver les trucs de l'homme mystère, par exemple. Non. Voilà, bon, je suis un peu déçu. Voilà, un petit peu déçu de ce DLC. Surtout pour le prix. Ça vaut même pas 2€, ça. Ça? Enfin, ça vaut même pas 2€. Au contraire, ça vaut 2€. Ça, ils devraient le vendre 2€, quoi. Et moi, j'ai acheté le Season Pass à 40 balles. Vous vous rendez compte? J'ai acheté le jeu 70 balles plus le Season Pass à 40? 110€? Tout ça pourquoi? Pour chercher des trucs d'homme mystère pour avoir la vraie fin du jeu de merde? Et une heure de Batgirl? J'ai un goût amer. La qualité du jeu est là, certes, ça reste Batman, ça reste Rocksteady, ça reste... C'est prodigieux, l'histoire était énorme, j'ai kiffé. Mais j'ai un petit goût amer pour ce DLC et un petit goût amer sur la fin de Batman. Voilà. C'est très bien, mais la fin... voilà, le fait que pour avoir la vraie fin, il faut chercher les 350 boîtes de l'homme mystère, dont des boîtes totalement infâmes si on n'a pas de Solus. Baisez-vous, quoi. Excusez-moi, mais baisez-vous. Ah, c'est sur ces mots de la fin que je vous laisse. J'espère que ce let's play vous aura plu néanmoins. Je vous fais des bisous, ceux qui regardent l'ardi sur YouTube. On se retrouve pour d'autres vidéos bien plus croustillantes. Je vous fais des bisous, à la prochaine. Ciao ciao.